Ada, merci d'avoir participé. Nous te remercions. Adieu. Tu as fini ton projet. Ton projet a été exécuté. T'étais un ancien tolard. Tu ne méritais pas de vivre. Tu ne pouvais pas être dans une rédemption. Tu vois ce que je veux dire? Ton chemin a été à une perte imminente. Et si tu veux, plus tu crois en l'humanité, plus tu es déçu. Donc je t'achève. Il y a pas de mystère. C'est bon. Par contre, dans GTA 4, ce qui est relou de ouf, dans tous les GTA, t'as des appels imminents. Mais laissez-moi, putain, laissez-moi tranquille. Fais voir, je vais aller le voir. C'est vrai que t'es encore en bas ou quoi? Je vais aller voir s'il a des pop, parce que tu sais, sur PS3, c'était quand même assez mal fait, hein. Ça a des pop de ouf, hein. Ouais, genre t'as des pop. C'était mal fait de ouf, hein. Ah là là, mon pote, GTA 4, c'est du game, c'est du jeu, tu vois, c'est... Voilà, donne ton bateau, donne. Bâtard. Je voulais ton bateau, moi. Allez. Putain, mon sniper. Achève-les. Je veux ton bateau. Bouge pas. Oh, shit. Oh. Donne ton bateau. Oui. Bâtard. Oh oui, je l'ai eu. Oh oui. Oh shit, man. Je l'ai eu de ouf. Je t'ai mis la bastos dans la tête. Ça, c'est beau. Ça, c'est propre. GTA 4, c'est la vie, mon gars. Franchement, quand j'ai redécouvert le jeu, ça m'a plu de ouf. J'étais tellement joyeux. On aurait dit un enfant de 4 ans qui redécouvrait son jeu, quoi. Mon pote, c'est PS3, c'est le 4, c'est 2008, c'est tout ce que tu veux. J'ai commencé le taf en 2008. J'étais en apprentissage, poteau. C'était mes premiers bifs, mon premier chéquier. En apprentissage, mon premier chèque, c'était 380 euros. Si, avec les 380 euros, j'ai économisé, j'ai acheté GTA 4. Tu peux pas tester GTA 4 pour moi. Il vaut 15 fois, 1000 fois GTA 5. Si c'est pas plus. C'est de l'or en barre, ce putain de jeu. C'est de l'or en barre. C'est franchement, pour... Je vais te dire une petite anecdote sur ce jeu. Ah, je t'ai cané, t'as des pop. Quoi? Attends. Tu veux faire la course? Attends, je me demande s'il faut pas que je prenne son petit board, j'irai plus vite. Si, je vais aller plus vite. Allez, bouge pas le snipe. Je vais aller plus vite, je veux ton bateau. Et attends. Oui! Yes! Allez, saute! Oui! Je veux ton bateau. Oh putain, il y a les flics. Oh putain, j'ai attiré les condés, les fesses condés. L'effet secondaire. Oh merde. Il est où mon bateau? Oh. Shut up, merde. T'es où? Dis-moi pas qu'il a des pop. Le bateau a des pop? Il est pas mort? Non. Je lui ai tiré dessus de ouf. Ma parole que je lui... What the fuck, mon gars? Oh là, le jeu il m'a trollé. Je ne vois pas d'autre explication. Hein. Je lui... Oh. Viens, donne ton bateau. Le jeu m'a trollé. Donne ton bateau. Franchement, ce jeu, c'est de l'or en barre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est assez fou, qui est complètement ouf. C'était quoi déjà mon anecdote? Merde. Ah oui, j'avais revendu le jeu pour m'acheter d'autres jeux. Et finalement, quand je l'avais revu en Platinum Game, tu sais, c'était les jeux de l'année que tu rachetais pour pas grand chose, mais qui étaient quand même les plus gros succès de la PS3. Quand je l'ai revu au Micromania, je l'ai racheté cash. Pour te dire, pour moi, ça, c'est ce qui est rare pour moi, un jeu PS3. Et tout jeu de console, c'est très rare que j'ai revendu un jeu pour le racheter derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Et GTA 4, c'est voilà, c'est fait partie des rares jeux que je me suis racheté en me repensant à la question, en me disant putain, j'ai été con de le vendre celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y! Putain, il a accéléré plus. Ah, je suis dégoûté là. Il y avait l'autre bateau. Je l'avais canné. Bah tiens, je vais aller le chercher. Oh là là, il va 2 à l'heure. Oh, vite, 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 vite que je le change, hein. Il va 2 à l'heure, mon frère. Il va 2 à l'heure, celui-là. Change-moi vite ça, hein. Même à la nage, je vais plus vite que ça. Histoire d'aller choper le concurrent, là. Le concurrent routier, si je peux appeler ça comme ça. Et la base, c'est de... Je vais aller le canner en le percutant, hein. C'est la base. C'est la base du game. Paf, voilà. Oh merde, j'ai ruiné le bateau. Ah putain, le con, le con, le con. Je l'ai ruiné, quoi. Ton bateau, il a coulé, il a coulé. Pourquoi je fais n'importe quoi, moi? Ah, il y en a un autre capop là-bas. Oh oui, oh oui. Vite, 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 vite. Vite, va le chercher. Va le chercher, il t'attend, il est là. Cette fois, tu le ruinettes pas, s'il te plaît. Hein. Eh oui, mon gars, c'est un des rares jeux que j'ai racheté derrière en me disant, merde, je l'ai revendu. Et honnêtement, ça, c'est le syndrome GTA. Tu peux pas revendre un GTA, c'est... Dans 10 ans, ça sera toujours de l'or en barre. Et pour moi, les anciens GTA sont encore plus précieux que les nouveaux GTA. Que GTA 5, par exemple. GTA 5, j'ai pas pris autant de plaisir que dans un GTA 4. Malgré que dans GTA 4, il y a peut-être moins de véhicules, ils sont peut-être moins récents, le tracé, la map, elle est peut-être moins impressionnante. Mais c'est, ça reste du GTA, tu vois ce que je veux dire? Et ça, une recette sur les anciens GTA, tu les refais plus comme, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les GTA ne me plaît pas. Le GTA 5 ne me plaît pas. La durée de vie remonte automatiquement. Les personnages sont moins charismatiques. L'histoire est moins mature. La météo est moins impressionnante de par... Je sais pas. C'est un tout, mon ami. C'est un tout qui fait que le GTA 5 ne m'a pas... Il m'a impressionné par sa map, par son contenu, par ses activités, par ses véhicules. Mais il m'a pas impressionné par l'univers. Je sais pas si tu vas me comprendre, poto. Donc là, on va aller se diriger sur une quête ici, voilà. Ah non, 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 je vais aller ici, tiens. Je vais aller ici. T'as les mon chéri, ils sont là, hein. J'ai mangé des chocolats là, les mon chéri. Et il y a quelques années, j'aimais pas ça. Là, je les ai goûtés, putain, ils sont là, hein. Ils sont là, là. C'est limite, je préfère les mon chéri que les Ferrero Rocher. Alors qu'à l'époque, c'était. J'aurais jamais cru ça, hein. Tu sais, moi, je suis pas trop fait de Noël. Ni... J'évite un peu le chocolat. Parce que je prends vite quand je mange du chocolat. Je prends vite dans le vent, tu vois. Mais là, cette année, on m'a filé des mon chéri. Putain, ils sont là, hein. Ils sont là, ils sont complètement là, les mon chéri. J'aurais jamais cru, quoi. Avant, j'étais fou des Ferrero Rocher. Je ne jurais que par ça, mais. Maintenant, c'est les mon chéri, c'est. Mon chéri, c'est. Putain, ils sont là, hein. Complètement ouf. Faites gaffe, hein, les boîtes du chocolat, Link et tout. Faites gaffe, hein, parce que pour recracher le chocolat, perdre les culots, ça va être chaud, hein. Alors, faites-vous plaisir, mais avec modération. C'est comme l'alcool. C'est comme l'alcool. Bonne fête de fin d'année à tous, les potos. J'espère que l'année 2016 vous apportera plus de joie que l'année 2015. Hein, parce que l'année 2015, on a été servi en catastrophe, si tu vois ce que je veux dire. Espérons que l'année 2016 soit plus, comment dire, plus appréciable, plus tolérante, plus humaine surtout, parce que nous avons, en France, on manque beaucoup de solidarité. Hein, après Bonneuf, ça fait genre, oui, manifestation. Je milite et tout, je suis avec eux, mais ils font ça que quand il y a une catastrophe. Tous les autres jours de l'année, on t'a jamais vu, poto. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est toute l'année, ce qui se doit être fait le réflexe. Après, je te dis pas de mettre la main au portefeuille tous les jours, hein, loin de là. Mais fais pas genre que quand il y a une catastrophe, t'es solidaire.
alors que tous les autres jours de l'année, tu ne fais même pas un regard sur ton voisin. Je vais dire ou pas? Mais non, arrête. D'habitude, je conduis comme un pro à la Sami Nasseri, et là, je conduis comme une pomme. La pomme. Arrêtez de m'appeler 50 fois par jour, arrêtez! Ça me manque le tatou là, le tatou de l'époque là. Tu consultais ton truc avec ton tatou là. À l'ancienne, poto. Regarde Sami Nasseri. Y'a que les anciens qui connaissent les premiers taxis. Hey! Hey! C'est pas la génération 15-18 hein, qui connaît les premiers taxis, hein, mon gars. Bah ouais, mon gars. Incassable, sixième sens. Comment il s'appelle là? Pulp Fiction. Pff, oh là 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 là. Ça, c'est des films, mon gars. C'est des putains de films que les 15-18 ne connaissent pas. Que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Les Pulp Fiction, sixième sens, incassable. Il était une fois dans l'Ouest. Pff, oh là 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 là. On était servi en film à l'époque. Regarde maintenant de nos jours, on est servi en quoi? En bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Ils apprennent rien. Désolé, encore une vidéo qui part dans tous les sens. Je sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai pas bu. Je suis pas consommateur de stupéfiants ni quoi, mais actuellement, si je suis en forme, c'est que c'est bon signe. C'est que c'est bon signe et. Et c'est que c'est. Voilà, faut en profiter, faut faire des vidéos, faut. Tu vois ce que je. Oula, on arrive dans la salle des stripteasers. Je connais un mec qui s'est fait supprimer sa chaîne parce qu'il avait proposé du contenu striptease GTA. J'ai pas envie que ça m'arrive, hein. J'ai déjà mangé un strike. Ça c'est limite, tu vois. Oula, non, il y avait rien, c'était juste des transsexuels. Bref, mon gars, j'espère que la vidéo t'aura plu. Elle est un peu partie dans tous les sens, mais c'est le but. C'est GTA, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupure. Tu vois, je suis pas un youtubeur, je suis pas un pro youtubeur, mais moi quand je parle, c'est sincère. Mes paroles, elles viennent du cœur. Quand je dis quelque chose, c'est pas des bullshit. Si je dis une bullshit, je dis à la prochaine vidéo, là j'ai dit une connerie, tu vois. Et mea culpa. Tu vois ce que je veux dire? Les gros youtubeurs s'en battent la race. Bref, je crache sur personne, je dis la vérité. Bon mon gars, je te dis à plus tard pour d'autres vidéos. Sûrement sort du GTA 4. En ce moment, je suis en train de kiffer ce putain de jeu de merde. Ah, ciao, mon pote. Ciao, ciao.